Salut à tous! Coucou! Aujourd'hui, on commence un vlog, ça fait longtemps, hein? On va. Parce que à Sarah, il y aura une mini-série sur elle et on va faire quoi? Un. Costume. Yes, voilà, un costume. Voilà. Mais avant de faire le costume, très important. Bon appétit! C'est la note. C'est gentil, Elena. C'est gentil, hein. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment sympa. Objectif de la journée, du coup, on va faire plusieurs magasins. Et on va voir si on trouve notre bonheur. Il faut acheter un haut, faut acheter un bas, faut acheter un masque. Je cherche aussi des bandelettes. Oh, elle a tout mangé. Ah, ça y est dans la gueule, ça y est. C'est la partie que j'aime le moins. Hein. Ah, ça va, on se redit, ça va, vous m'en sortez bien. Ça va. C'est bon, je suis pauvre. Non, c'est tout. Ah, bah. Ah, maintenant je suis pauvre. Voilà. Au revoir. Au revoir. Ça y est, t'es pauvre. Ouais, je suis pauvre. Ça y est, j'ai le petit bidou tout plein. Alors, t'as trouvé des pantalons? Ouais. J'ai trouvé le mal, ça y est. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, t'as plus qu'à tenter les essayages, hein. Ouais. Attends, j'arrive. Attends. Non, non, ah, non, non, non. Non. Ah, fais chier. Attends. Du coup, l'essayer le pantalon? Bon, bah, j'ai pas le droit d'y aller, donc. Ouais, je suis pas encore heureux. Ouais. Bon. Bon, bah attends. Bon. Salut. Ah, il te va? Ouais, il me va bien. Waouh. Bah ok, bah on a trouvé le jeans noir, c'est cool. Je teste l'autre. Oui, au pire, teste l'autre. Oh, Sainte Lacet, s'il te plaît, noue-toi et sois souple. C'est nous les plus beaux. Ouais, c'est non. Honnêtement, honnêtement, franchement. Vous en pensez quoi, madame? Excellent. Excellent. Ouais. Ouais, on est d'accord. Excellent. Magnifique. Ça fait cache-pot au passage parce que c'est assez grand. Oh non. Là. Dis-leur au revoir. Au revoir les billets. Oh. Donc voilà, le pantalon c'est fait. Voilà. Il fait chaud. Alors, Yelena, nous sommes face à deux choix. Jules ou un autre. Oula. Qu'est-ce que vous choisissez? Déjà, Jules hors de question et okay. C'est du mec. D'accord. Moi, ok, ça marche. Go, c'est parti. Bon, on va passer à l'essayage du haut. On a trouvé un haut, c'est parti. Oui, je sais. Ok, je suis puni. D'accord, j'ai compris. Nous avons le bas, nous avons le haut. Ah, plus que la fille a changé. Parce que du coup, effectivement, je fais des costumes, on a beaucoup de basiques, nous. Ça, c'est bien, ouais. J'ai souvent des basiques en plein de couleurs. Ah, oh, ça, c'est cool, ça. Je vais prendre la date d'anniversaire. Le 6 mai 1996. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu dis ta date de naissance, tu prends un coup de vieux. Ouais. Tu vois, Ça, c'est ça sûr. Va encore, hein. Ça va, ça va, ça va, ça va. Donc, on est à 19,99. 19,99. Et, c'est tombé bien, j'ai 20 euros. Merci beaucoup. Et pour le centime, c'est offert. C'est gentil, merci. Voilà. Et maintenant, on passe à... Toto tissu. Dis, Elena. Oui. Tu sais que j'ai 50% de chance de sortir avec Avril Lavigne? Sérieux? Ouais. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Parce que moi, je suis d'accord. Pantalon juste pour comparer. Tu vois, genre le blanc, ça fait trop flashy. On ouais, est d'accord. C'est vrai. Ensuite, t'as ça. Tu vois, hop. Ça me plaît mieux.
tu vois. C'est vrai que c'est bien. Ou alors... Ouais, non. C'est du gris, tu vois. Ah, oh, faudrait plus du gris. Ouais. Après, je vais voir si elle a du gris, mais sinon, je vais... Sinon, à la rigueur, on partira... partira là-dessus, mais je vais voir s'il y a vraiment du gris. Aujourd'hui, nous avons notre experte en pantalon qui va essayer les couleurs. Alors, Yelena, qu'en pensez-vous? Alors, moi, j'en pense que celui-ci irait bien avec le pantalon noir et puis le haut noir. Ou alors, nous avons aussi celui-ci qui pourrait aussi bien faire l'affaire. Sinon, après, c'est des couleurs trop flashy et ça fait mal aux yeux. Un beau rose là pour ton costume. Oh là là. Rose bonbon. Oh là là. Oui, alors il y a le rose Barbie. Bah, du coup, on part sur un feutre effaçable à l'eau et on part sur ça. Du coup, on a le haut, on a le bas, on a le morceau de tissu et un feutre pour vêtements. Ouais. Alors, j'ai pris un feutre pour the vêtement. J'ai pris le tissu à découper. En double, je pense, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Ouais. Voilà. On avait dit en double, ça fait plus épais. Mm-hmm. J'ai pris le pantalones. Bien noir. Hein. Et j'ai pensé à faire là sur cette couture-là. Sur cette couture-là. Tu as vraiment devant et là un truc qui part comme ça. On va essayer. Hein. Ça serait de la merde. Je sais pas. Et j'ai pris le haut. J'ai pris du basique. Hein. Voilà, elle a essayé, tout va. Donc, le haut, je sais pas encore comment placer des... On verra ce qui reste déjà. S'il faut racheter un ou pas. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on va faire sur la continuité du truc. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui part là, au niveau du haut, on fera un truc qui part de là, genre pour Eva en haut, tu vois. Ouais. Ça fait genre un ensemble. Il manque à acheter les chaussures, elle les reçoit. Les trucs thermo, elle les reçoit. Donc pour l'instant, je les garde. Hein. Je veux pas... C'est quoi 5 t'as dit ? À la limite, prends 5. 5 cm. Tu fais 5 à là et tu fais un angle. Et du coup, là, il y a 60 en 600 ? 60, ouais. Là, il y a 6. J'avais dit que je prends 5. Donc, ça ne change pas. Je vais juste aller un peu plus vers là, Yelena. Ouais. Ok, donc là, moi, je suis droit, tu vois. Sur les traits qui sont là. Je suis droit, personnellement, je suis droit sur ce trait-là. 5, pas du tout. Mais là, t'es pas... Voilà. Là, oui. Et du coup, j'avais dit 58 cm. Alors, 50, c'est là. T'as le truc qui... Il est tellement concentré. C'est une bête, c'est une espèce très rare. J'avoue, c'est droit pourtant. Démarre là. Je mets ma main dedans. Vas-y. J'ai mon doigt derrière, hein, donc. Ensuite. J'ai peur, hein. Elle meurt. Non, c'est pas la seule. Ça va descendre. Ça va descendre et ça va s'arrêter ici. Parce qu'en fait, ça va suivre la couture. Là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas. Oui, bah après, oui, je saurais placer, mais oui. Où tu dis où? Voilà, tu me mets en bas. De toute façon, tu vas suivre la couture. Donc. Attends, laisse un peu. J'ai le ventre qui gagne. Oui, mais après, je vais la sucer, de toute façon. Ah, ok, d'accord. Ça chatouille. Ah, vaut mieux. Eh ben, écoute, c'est ça ou la piqûre. Ah, je veux pas la piqûre. Es-tu prête? Prête, merci. Tu es une femme? Mais moi, depuis le début, j'ai cru que. Oh. C'est pas tant. Oui, voilà, là, c'est normal. C'est juste... On te parle. Hein, pardon? J'ai dit, si tu veux, j'ai de la graffeuse. Ouais. Ah, ça serait plus facile en même temps. Non. Alors là, je vais te demander un truc que je vais pas te demander souvent. Regarde, s'il te plaît. Alors en gros, là je t'explique. Oui. Ça démarre de là. Attends, juste en bas. Il était un peu plus grand, tu vois. Bon. Et ça suit la couture qui est là.
Ça s'est joué sur le feu de la bête, hein. Mais sinon, t'aurais recommencé. Hein? Mais ouais, pile poil, hein. Pile poil. Ça rend bien? Oui, en vrai, ouais, ça rend bien. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le bas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est enlevé. Ah, ça s'est enlevé? Maman. Ça s'est enlevé ici à l'entrée. Je crois que tu mets carrément la chair dans la cuisse, comme ça, c'est sûr que ça tient. T'as dit quoi là? Il y a encore tout ça. Bah, celui-là, il part comme ça. Après, tu les mets le faire. Pardon, désolé. Après, il y en a un qui part comme ça et après, ça part comme ça. Mais ça, tu peux les passer derrière? Je suis un four. Hein? Derrière? Comme ça, on voit pas les défauts. Oui, tu pourras, oui, bien sûr. Après, il faudra juste que ce soit un peu symétrique. Et t'en as un qui partira comme ça. Je me suis fait mal. Toi. Mais ça fait mal des fois même. Oui, c'est... ça fait mal. Juste avant, là, même dans la salle de bain, j'arrêtais pas de me piquer. Et du coup, t'en as une qui part comme ça. La ligne, tu vois, il faut que t'aies quand même une ligne qui soit genre comme une parallèle. C'est plus joli visuellement, ça ressort mieux. C'est maintenant le miroir, il est trop bas. Ah. Qu'en penses-tu? Déjà pas mal au niveau du logo. Derrière, t'as vu, c'est commencé. On va mettre des pointes. Ah, oui. Oui, des pointes, oui, parce que ça fait un peu pas beau. Et devant, on va monter un petit peu quand même les lignes, tu vois. Parce que là, ils sont là. Ah, mais je t'en rappelle que là, c'est mes boobs. Hein. Oui, je sais, mais quand on va les coudre, ils seront pas sur toi. Oui, heureusement d'ailleurs, ouais. Parce que là... Parce que sinon, ça te dégonfle. Hein. Là, je les baisserai un petit peu alors, légèrement. Voilà, coude jusqu'à là et après j'arrête. Ouais, ça marche. Ça te bouge. C'est bon ? Bah écoute, on a l'air d'être droit. Tu peux juste tendre ça. Il y a rien en dessous, c'est bon. Mais si tu tires là, ça tend là. Oui, mais c'est juste pour voir si j'étais droit par rapport au. C'est tout. Bah écoute, on a l'air d'être pas mal. Ok. J'y vais ? Oui, je bouge plus. Voilà, là j'arrête. Ok. Oh, on a bien baissé, genre. Non, ça c'est normal, c'est le tissu qui se, ah. Qui se bouge, hein. C'est pour ça que ça fait ça. Bah, du coup, celui-là, dans un premier temps. Du coup, il va falloir que tu soulèves. Ah, du coup, je vais vraiment genre me soulever comme ça. Quoi. Tu vois, comme ça. Mais vraiment. Attends, parce que et après l'autre, mais attends, faut que je mette le deuxième aussi. Du coup, vas-y, on va essayer. Mais au moins, si tu mets ton truc là, ça va aller. Enlève ton doigt, parce que sinon, je te descends tout dessus. Un doigt en moins, ça y est. Oh. T'as cousu l'autre côté? Oups. Et maintenant, tu vas m'essayer ça. Oh.
tes chaussures que j'ai commandées. Ouais. Alors, ils ont l'air d'être à la bonne taille. Ça va. Mais tu vas les essayer. Bah, bien sûr. Alors. Sinon, c'est nickel. C'est nickel. Ça te fait des grands peinards. Ouais, mais ça va. Essaye de marcher un peu avec pour voir. Allez, va rejoindre Aminou. Allez. Avec ses grosses boubouilles. C'est Juju. Ah. Je suis en pyjama. Et ben alors. Je suis en pyjama. Bonjour Yelena. Bonjour Julien. Hey. Je t'ai sorti du lit, mais maintenant. Il est temps. Je me suis sortie du lit. Oui, évidemment, t'es déjà réveillée. Bon, je vais t'es arrivée, j'étais déjà réveillée. Sans vas-y, continue. Sans bruit. Ah. C'est bon, c'est attention, c'est bon. Viens, on bonjour, Yelena. Bonjour, Julien. Alors, je t'ai. Ton costume est fini. Oui, sinon tu serais pas là. Exactement. Alors, voici le haut. Que je ne vais pas dévoiler ouvertement devant la caméra. La ceinture que j'ai pas présentée dans le vlog, mais que tu as portée durant les essayages. Le pantalon. Que vous avez vu techniquement dans les essayages. Le pantalon, je crois que c'est le seul truc qu'ils ont vu à peu près. On a modifié des trucs, hein. C'est pas tout à fait pareil. D'accord. Évidemment, les chaussures que je t'ai déjà présentées quand il y avait Damien. Donc voilà. Donc en gros, tu mets tout. Okay. Voilà. L'eau devrait être considérée comme le pantalon. Hein le haut devrait être moins serré que le pantalon parce que le haut est plus large. Oui, oui, voilà, comme ça là. Et je te laisse essayer le costume. Et après le costume, tu te surprises. Mesdames et messieurs, après de longs mois d'attente, je vous présente Wondersoul. Et maintenant, parce qu'on est à la fin de ce vlog, il ne manque plus qu'un petit détail. La fameuse surprise que je connais déjà. Mais c'est pas faux. Et c'est le masque. Attends. Oh, mais ça le fait. En plus, normalement, il est pas censé te déranger. Non, il dérange. Parce qu'il y a un peu duvet, un peu de duvet. Mesdames et messieurs, ce vlog est terminé. Et on leur dit à 2023 pour Wondersoul. Ouais, on leur dit à 2023 pour Wondersoul. À 2023. Salut. Yeah.